Say something that will make my day. Hello tout le monde, alors j'ai filmé cette vidéo pendant le confinement, mais ma night routine reste très sensiblement la même chose. La seule différence c'est que maintenant je suis rentrée chez ma mère, mais comme je continue d'avoir les cours à la maison et que je limite un maximum mes déplacements, à part en fait aller voir ma famille quelques fois le midi, la même night routine, et elle le saura jusqu'à ce que ça s'améliore, ou que je travaille, que je n'ai plus les cours à la maison. Vous plaira, je vous laisse avec la suite. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est du coup ma night routine en confinement. Elle va pas être très très excitante. J'ai bossé mes 19h et du coup pour que demain je sois en forme etc, je vais préparer un petit peu ma journée demain et après me reposer etc ce soir. Et du coup là ce que je suis en train de faire c'est que sur mon bullet journal, je vais pas forcément vous montrer devant des vidéos YouTube, je regarde My Better Self. Je suis en train de cocher ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je n'ai pas fait, remettre à jour etc ma to-do list. Il fait pas beau du tout aujourd'hui. En ce moment avec le confinement je me suis habituée à faire mon sport le matin, à me laver le matin etc, du coup je le ferai pas ce soir. Genre ça va être plutôt chill. Et puis après me mettre en pyjama, me caler devant un film etc, faire des petits trucs qu'il faut que je fasse, type faire des playlists sur ma chaîne YouTube, le repas, et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Du coup là comme je dis en fait je suis en train de bouger, genre j'essaye de mettre 3 tâches par jour et du coup je suis en train de bouger ce que j'ai pas fait aujourd'hui etc, parce que j'ai un peu triché, j'en ai mis plus que 3 et au final j'ai pas réussi à en faire plus. Je viens de publier une petite photo sur Insta parce qu'en fait aujourd'hui j'ai fait un sondage dans ma story. Je suis sur l'iPad hein, du coup l'Instagram est trop bizarre. Mais du coup aujourd'hui dans ma story j'ai publié en fait un sondage sur la confiance en soi. Je me rends compte que voilà, comme vous pouvez voir, 72% n'ont pas confiance en elles. Et bref, du coup c'est un petit peu compliqué, j'ai parlé avec pas mal d'entre vous etc. Et du coup j'ai publié une photo avec une petite phrase qui selon moi est assez importante. Puis le début du confinement je mettais un peu des photos sur Insta qui me restaient. Mais là du coup j'ai fait plein de photos aujourd'hui vu que j'ai tourné une vidéo avec mes tenues. Donc je pense qu'à partir de maintenant j'arrêterai de poster des tenues d'hiver. Mais bref, j'ai trouvé mime cette photo, c'était au Canada. Mais merci beaucoup de m'avoir répondu à ma story et même de m'envoyer des messages et de mettre des commentaires etc. Ça me fait trop plaisir. Maintenant que j'ai rangé toute la maison etc, genre je vais commencer à me poser en mode tranquillou. Du coup ce que je vais faire là c'est qu'en mode, en plus comme il fait hyper clair aujourd'hui, pas beau, il y a trop de lumière dans la maison et du coup j'ai trop envie, c'est une galère à chaque fois pour filmer, il faut que je monte sur la table, sauf que comme la table on l'a payé vraiment pas cher, chaque fois elle bouge de ouf, elle est hyper fébrile. Et du coup là il faut que je ferme parce que j'ai hyper envie, c'est trop dur, j'ai hyper envie d'être un peu dans le noir. Voilà. Et je pense que ça va être l'heure de commencer à faire à manger. Je pense qu'on a un peu rien, mais du coup j'ai mis Netflix et j'ai regardé un petit épisode, je pense, de Jane the Virgin. Après ce soir, je mettrai Harry Potter parce que je suis repartie pour faire le marathon. Du coup, hier j'ai regardé le 1 et du coup là j'ai regardé le 2. Ma night routine, elle commence toujours par du rangement, comme vous pouvez voir, c'est un peu le bazar, donc je vais faire du rangement avant de faire le repas, etc., etc. Ce soir, je pense que ce que je vais faire manger, parce que là, moi, dans le monde, on a quasiment vraiment plus grand chose. Une autre recette avec des pois chiches, du lait de coco, du curry et des carottes. Et du coup, je pense que je vais plutôt faire ça pour ce soir avec aussi du riz. Bon, il y a pas mal de trucs qu'on prenait, mais tant pis. Du coup, c'est des pois chiches avec des carottes. Et j'ai mis du curry, un peu de gommasio, sel, poivre et du lait de coco. Bon les gars, je suis assise sur la table basse et là mon plat est retourné chauffer parce que voilà, on est devant Big Bang Theory mais je suis taille de fatiguée, genre c'est abusé. Je sais pas du tout si cette night routine va être intéressante. Après je vous avoue que le soir je ne fais rien du tout. Donc on est à la maison toute la journée, je vais pas non plus bosser le soir. Mais bref, je suis morte là. Et du coup au niveau des quantités c'est grave cool, il m'en reste pour demain donc ça je suis hyper contente. Je vais mettre ça au frigo du coup pour genre demain midi ou demain soir en fonction de quand je fais mon sport. Alors que je me démaquille et que j'enlève tous mes bijoux, j'ai la flemme les gars, je suis tellement fatiguée, c'est assez ouf là. Je vais pas me laver les dents maintenant parce que je vais peut-être manger un petit dessert dans le lit devant Harry Potter. J'ai mon film avec mon petit dessert et puis quand je serai bien fatiguée, j'aimerais là, je me laverai les dents et je me ferai un masque hydratant que je me mets la nuit parce que ça fait grave du bien à ma peau. Oh. Oh.
Ah, bon, je mets de l'homéoplasminette dans un état, mais c'est pour mettre autour de mon nez parce que je suis toute irritée et sur mes lèvres. J'ai cette crème-là que je mets sur mon tatouage et sur les zones où j'ai de l'eczéma sur les bras. J'ai les ongles dégueulasses, désolée. Et du coup, je me suis fait des cotons démaquillants lavables toute seule. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure, mais de toute façon, je vous les ai montrés dans un vlog. J'ai fait une sorte de petit tuto DIY. Mais du coup, je mets cette solution de chez Glossier qui est hyper cool. Et après, du coup, deux sérums The Ordinary et une crème hydratante The Ordinary. Soit je mets ça, soit ça, soit ça. Je sais pas trop. Peut-être que je vais juste mettre ça et ça. Mais comme ça, vous avez vu un petit peu ce que j'utilise. Je vais me faire un petit dessert et je pense que je vais me mettre un petit peu de compote. Je sais pas, peut-être un petit peu de chocolat noir dedans et de la cannelle. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Mon copain en ce moment fait que jouer à la play et de mettre la play ici, alors moi je bosse dans la chambre, du coup à chaque fois, si je veux aller me coucher avant lui et qu'il a laissé le truc, et ben c'est à moi de le bouger. Enfin, sinon je peux lui dire de bouger, mais bon, flemme de l'appeler pour ça. Il est en train de se regarder un film parce qu'il veut pas regarder Harry Potter avec moi, lui. D'habitude, nous, on a bien regardé des films ensemble, mais là, en ce moment, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il voulait regarder Hunger Games, moi, non. Après, moi, Harry Potter, lui, non. Enfin, bref. Ça y est, je suis en pyjama, du coup, dans le lit. Je vais bien tout placer, etc. La couette est trop confortable. On a encore changé, on fait que changer, en fait, de place, des coussins. Mais là, j'aime bien. Et j'ai mis une petite lumière, du coup. Y aller devant mon film avec mon petit dessert qui est ici et un verre d'eau. Donc bref, j'attends que ça se charge et du coup je viens de mettre mon tel en mode avion et je vais aller mettre charger genre là-bas au pied du lit parce que sinon en fait je suis beaucoup trop dessus et je fais que de répondre et de voir mes snaps etc. Et je décompresse pas du tout. Du coup voilà. Je me suis fait un petit thé. Vraiment une lazy routine ce soir, c'est abusé. Bon, j'ai terminé mon thé, c'était un Yogi Tea, je les aime beaucoup trop. C'était Christmas Edition, mais il était grave bon. Et du coup, je suis devant Harry Potter. Vous n'allez pas me croire, mais vous savez, j'étais même pas au courant. Pourtant, j'ai vu je sais pas combien de fois Harry Potter. J'étais même pas au courant qu'il y avait des versions longues. Et du coup, là, je suis en train de regarder les versions longues depuis hier. C'est trop trop cool, je vois des scènes que j'avais jamais vues. Petit rituel du soir aussi. Et